Bonjour, bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Zamion Faniel Etienne qui est entré la Kaila, votre psy. Nous t'es passé un bon nombre de temps, nous pas t'es temps des moins sur page Facebook, si COVID à Faniel, Faniel. Gagné mon qui écrit, mais dit, est-ce que c'est psy-COVID ou psy-COVID? Ou qu'a dit ça, vous voulez. Mais la seule chose, il pas d'origine française, non d'origine espagnole. D'accord? Non d'origine espagnole. C'est ça que fait, nous dit si COVID en espagnol, son père presque pas jamais pas prononcé. Bon, qui t'aime nous pourra le parler jeudi, mais bien avant, moi, je voulais souhaiter tout le monde bienvenue sur Chanel qui aurait même pile là, si COVID Faniel. Nous t'en parler de si COVID, c'est la vie non mentale. Si que, Vida, psychovida, la vie non mentale. Ben, nous pourrons parler, je dis, de stress. Nous pas prendre pile de temps, nous pas prendre en pile. Nous demandons aux capables abonnés sous page long. Finalement, lorsqu'ils sont des vidéos, quittez un commentaire pour moi dessous et puis partagez-le avec beaucoup plus de monde. Comme ça, vous arrivez à gagner des informations. Vous va souffler, mes amis. Nous pourrons parler du stress. Je dis, nous pourrons ouvrir ou bien réouvrir avec stress. En partant, faut nous dire que stress, c'est un sentiment de tristesse qui envahit quoi suite à un événement quelconque. Pas oublier, stress gagne en pile définition. Mais nous-mêmes, nous définissons stress de façon propre. C'est un sentiment de tristesse qui envahit corps humain hein, suite à un événement quelconque. Et à partir de là, stress là, li vin chita en organe, li présente des symptômes. Et ou pas rendre compte. Nous pourrons passer très rapidement dans trois étapes que stress prend dans corps humain hein, bien avant que li frappe la terre. Nous pourrons passer dans la première étape là, ou bien première phase, c'est une phase d'alarme. Phase d'alarme, non, li en chargé pour faire ça, pour dire que il y a un bagage qui va marcher dans le corps. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et à partir de ce moment, on pourra commencer à sentir comportement commencer à modifier, par exemple. Et là, l'organisme lui signale, il est en état d'alerte pour dire, il y a un corps étranger vient de naître, eh bien, on pourra commencer à manger en pile. Parfois, il y a quelqu'un qui mange, il ne faut pas manger. Il y a quelqu'un qui faut manger en pile. Stress là, il retire sommeil ou, et ma vague m'expliquer nos types de sommeil dans les prochains jours. Stress là, dans l'étape d'alarme là, où elle commence à présenter des symptômes et des signes. Et si ou pas intelligent pour courir retrouver un professionnel dans le domaine de santé, eh bien, stress là pour aller passer dans la deuxième phase là, qui c'est phase de résistance ou bien étape de résistance. Dans l'étape de résistance là, qui ça stresse l'en fait? L'organisme là, il commence à goumer ensemble avec stress là. Ça veut dire qu'il est en état de défense. L'organisme défend à tout moment parce que les gagnants ont un corps nouveau qui vient de naître. L'organisme a créé moyen pour lui voir comment il est capable de dégager. Tendez bien, capable de dégager des hormones pouvant combattre le cortisol. Pas oublier, cortisol, c'est hormone de stress. Et toutefois, cortisol là, il monte à un niveau qui haut, ça veut dire l'organisme commence à défendre. Et toutefois, l'organisme n'oublie pas qu'à contrecarrer le stress là, il pourra le passer dans la troisième phase et c'est là malheur. Il pourra le passer dans la phase de fatigue ou bien phase chronique, troisième phase. Maintenant, que fait l'organisme? Dans cette dernière phase, l'organisme obéit. Dans la première étape là, l'organisme est averti corps humain, un bon bagage qui va marcher. Dans la deuxième étape là, il goumé avec lui, il pas qu'à défendre corps. Et finalement, se conditionne, il conditionné avec stress là, ça n'arrête pas, il obéit. Et après cette obéissance, ça veut dire l'organisme comment
li commencer pour li habituer ensemble avec stress là pour vivre avec elle. Qui ça qui passé? Le stress là arrivé dans troisième phase, li gen plusieurs dégâts que li ka causer dans corps humain. Yon nan premier dégâts que li ka causer dans corps humain, le stress là monté dans yon état dans troisième phase, là ça veut dire li vin pas ka traiter. Un, li capable causer un accident et vasculaire cérébral. Ça a tarelé AVC. Mais d'où vient cette affaire? C'est l'eau stressée, le corps ne fonctionne presque pas bien. Ça veut dire qu'on n'a pas fonctionné bien. Et pour qui ça me dit qu'il a causé un AVC, on va l'expliquer au phénomène de stratification qui fait qu'il est capable de causer un AVC. L'eau stressée, ou dans la troisième phase, ou troisième étape, organisme là obéit, eh bien, cœur qui là pour distribuer sang vers les différentes parties du corps, eh bien, lui commencer à agiter ou bien augmenter la vitesse du sang. Le cerveau, là recevoir sang qui montait dans le cerveau et puis sang à descendre. Son mouvement monter, descendre, amont et en aval. Maintenant, puisque vous stressez, sang parfois arrive trop vite dans le cerveau et l'air arrive trop vite, c'est avoir sauté. Et le cerveau sauté, il vient pas bon pour construire neuronal là. Et comment qu'a produit un AVC, c'est le sang monter dans le cerveau pour le capable porter protéines, ça s'appelle les neurotransmetteurs dans le cerveau. Et puisque sang ou stressé qui a véhiculé trop rapide, les lui venant cerveau, il sautait pas, cerveau a sauté, et puis un caillot de sang, il montait dans le cerveau, et puis il pas descend. Et puisque il y a un caillot de sang monté dans le cerveau, il pas descend à cause que vous stressez, maintenant une dimension neuronale va être bloquée. Les gars ont dimension neuronale dans le cerveau hein, qui pourra le bloquer. Et après dimension ça a bloqué, maintenant, c'est de l'AVC. Et il y a deux bagailles qui sont capables de sortir les gens qui font AVC. C'est là que stress là, il monte, je dis nous ça déjà, dans la troisième étape, troisième phase, on ne vient pas qu'à traiter, on vient guérir de stress là, on ne vient pas qu'à contrôler. Et là, subit un AVC, accident vasculaire cérébral, deux choses peuvent arriver. Ou capable subir un paralytique ou bien ou mourir. Maintenant, si c'est une dimension neuronale gauche qui est bloquée, ou après bon droit tout est paralysé. Et si c'est dimension neuronale droite qui est bloquée, bon gauche est paralysé ou bien ou mourir. Mais on connaît, dans tout cas, toute règle, il y a une exception, il y a des gens qui passent par un AVC et puis qui ne sont ni mourir ni paralysé. Bon, ça veut dire. Dans tout cas, toujours il y a une exception. Maintenant, comment on peut découvrir que mon n'a fait attaque de l'AVC ou pas? Très facile. Sou gagnon moun ou est parce que l'AVC apprend si vous t'es campé la frapper ou à terre. Et si vous t'es chita tout la frapper ou. Parce que il y a une dimension neuronale qui bloque. Qu'on y a trois bagages ou qu'a fait mon nan. Ou capable mande mon nan pour tirer l'angle dehors. Tirer l'angle, mettre l'angle dehors. Comme ça. Si elle n'est pas capable, demandez pour lever main droite, li en l'air. Si elle n'est pas capable de lever main droite, li en l'air. Dans le moment qu'elle veut, ou capable de demander pour dire une phrase ou bien un mot. Et si elle n'est pas capable de dire une phrase ou un mot, n'importe elle veut, maintenant, il y a une dimension neuronale qui est bloquée. Et avec cette dimension neuronale qui est bloquée, ça, c'est de l'AVC. On peut courir directement avec mon dans son santé qui pis près au là. Pour capable apprendre sauver vie. Sauver famille et sauver amis. Mes chers amis, jeudi, c'était, nous t'ai parlé de stress. Trois étapes. Étape d'alarme, étape de résistance, étape chronique ou bien de fatigue. Si vous avez aimé, tant mieux. Dans le cas contraire, la vie continue. On se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Bonjour, bye bye. Faites du bien à tous. Maranatha.